monde, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Golden Sun. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, moi ça va super. La dernière fois, on avait sauvé Kolima et la forêt de Kolima. Et cette fois, on est parti pour aller au niveau de la neige. Et c'est parti. Alors... déjà, je tiens à tous et toutes vous remercier d'être toujours autant présents pour cette série. Je suis vraiment ravi. Qu'est-ce que ça mène là-haut? On va aller voir. Je suis vraiment... ça me touche que vous soyez toujours autant à regarder cette série. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Ok, ici... Je sais pas du tout ce que nous emmène, mais bon. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Ah oui, non, je... En parlant, ouais, c'est bon. Je tiens à m'excuser parce que lors de l'épisode précédent, pas du dernier épisode, mais lors du précédent épisode, il n'y avait pas de son. Enfin, il n'y avait pas ma voix. Et je tiens à m'en excuser, c'est complètement ma faute, c'est juste moi qui suis pas doué du tout de mes mains et qui ai pas fait gaffe et que mon micro était éteint. Donc voilà, je tenais à m'excuser. Et où il y a du monde ici. Allez, on va faire ça et ici. Voilà. Et donc voilà, tout simplement, je tenais à m'excuser. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va super, en très grande forme. On est tout chaud. On va péter la baraque, voilà, tout simplement. Oh, elle utilise déjà son attaque. Donc voilà, parce que faut quand même que je vous explique ce qui se passe. Hein. Barrett a obtenu une épée qui s'appelle rapière elfique. Et quand on va dessus, on voit qu'elle peut lancer l'attaque couvreur pâle. Qui est une attaque tout simplement qui peut faire mal, voilà. C'est plus puissant qu'un coup critique, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, tout simplement, ça peut être un petit peu utile et ça se déclenche aléatoirement. Donc, par exemple, là, lors du prochain tour, ça pouvait se lancer comme ça ne pouvait ne pas se lancer du tout, tout simplement. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Ah, je crois qu'on touche au but. Non, mince. Attaque. Vas-y, mur de feu et choc. Voilà, parce que moi je me la pète et puis voilà. Hop. Oh, il est pas mort lui. Voilà, maintenant t'es mort. Hop. Alors, ici on ne peut rien faire, ici on peut rien faire, ici on peut rien faire. On peut descendre. Alors, hop, hop, hop. On va déjà se concentrer full sur lui. Voilà. Croix serrée qui va lui prendre de la vie, mais c'est pas grave. Couvreur pâle, boum. 57. Ça n'a pas d'effet sur Ivan. Oh, j'ai affronté des ghouls. Ah, c'est trop bien. Bah voilà, on a réussi. Je pensais qu'on allait plus galérer et tout. Hein. Moi, ça, je suis content alors. Je suis content parce qu'on s'en sort plutôt bien. Alors, un ours brun. Petit ours brun. Nanana. Oui, excusez-moi. Je me suis un petit peu emporté. Hop, on va continuer à suivre le chemin et normalement on devrait pas tarder à tomber sur un village. Un village qui est fort sympathique. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Hein. C'est un village fort sympathique. Sympathique, pardon. Baiser gluant. Qu'est-ce que... Oh, c'est dégueulasse. Très bien. Alors, on a combien de pièces d'or? On a 3000 pièces d'or. Très bien. Ok. Oula, là, il y a du monde. Alors là, il y a du monde. Et s'il y a du monde, c'est pas cool.
Hop. Voilà. On va faire ça comme ça. Séisme. Voilà, il est mort. Et maintenant, on va full attaque. Boum. Boum. Ben voilà, c'est bon, il est mort. On a obtenu de l'herbe. Alors avant, on va se soigner. Ok, pas besoin. Et hop. Alors, avant toute chose, on va. Il y a un djinn dans le coin qui est là-haut. Attendez. Je sais plus où il est là-haut. Je crois que je me suis trompé. Ouais, c'est ça, je me suis trompé. C'était à gauche. Hop, hop, hop. Ah non ? Comment on l'atteint ? Attendez, je réfléchis là. Parce que. On est bien d'accord. Peut-être qu'il faut. Attendez, je teste un truc sûrement improbable. Mais déjà, on va. Hop, hop. Hop, hop, hop. Déjà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça. Voilà. Ok, on a obtenu une fiole. Très bien. Hop. Alors, il y a un truc, c'est hautement improbable que ça réussisse, mais... Ah, si. Ah, c'est ça qu'il fallait faire. Vous voyez, je suis trop fort. Avouez, vous êtes jaloux de mon skill. Non mais je le sais, pas besoin de mentir, je sais que vous êtes jaloux de mon skill, c'est pas... Salut! Et voilà! Alors... Oh, ça lui augmente beaucoup ses points de vie, hein. Son attaque aussi d'ailleurs. Fouh! Eh bien... Et donc voilà, nous avons désormais deux djinns pour chaque perso. Donc je vais vous avouer que c'est plutôt bien, hein. C'est plutôt pas mal. On va aller au marchand d'armes. Est-ce qu'il y a le marchand d'armure aussi à côté? Oui, mais ils ne sont pas là, d'accord, ils sont malades. Ah oui, parce que dans ce village, il y a une épidémie. Il y a une épidémie très grave. Et on va aller ici. Ouais, on va aller là, je crois que c'est là. Oui, c'est... non, c'est pas là. Bouteille vide. Alors c'est pas l'auberge, ça j'en suis sûr. C'est pas les magasins. C'est peut-être ici alors. C'est pas là. Bah c'est où? Attendez parce que là je me cherche. Ah bah non, ça c'est le... C'est pas là. What? Attendez, faut pas aller au phare en premier. Non, non, faut pas aller au phare en premier, faut bien... Oui, parce que là, c'est le phare de Mercure. Donc, dites-vous qu'on a atteint le... La moitié du jeu. Enfin, pas vraiment la moitié, mais grosso modo. Hein. Non. Mais... What the fuck? Il y a une mauvaise grippe dans le village, essayez de ne pas l'attraper. Ouais... Oh, aidez-moi. Grand-père, grand-père, tiens bon. Oh non, c'est terrible. Trouvez Sophia, je vous en prie. Trouvez Sophia. Ah, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Ok, donc on va aller chercher Sophia. Hop. Alors. Achoum, je gèle. Bah gèle, hein. Ouf, l'épidémie a frappé tout le monde à 1000. Je suis malade, moi aussi. Que deviendrons-nous sans Sophia? Alors, ici? Eh hey, petit, tu sais pas où elle est? Ah mince! Oui, on cherche Sophia. Sophia vient de partir. Oh, elle est partie où? Ah! Ok, très bien. Très bien, Sophia est là-bas. Hop. Oh,
Mais non, mais sérieusement. Voilà, merci. Hop. Ok. Achoum, achoum, comment vous sentez-vous? Il tousse depuis un bon moment. Vous allez guérir vite. Prière mine. Alors il faut savoir que les personnages importants, on voit tous leur tête. Et les personnages pas importants, non. Vous allez mieux? Bien mieux. Non, grand-père, ne fais pas d'efforts. Merci, Sophia. Je n'ose imaginer ce qu'on deviendrait sans toi. C'est rien, vous devriez vous reposer aussi, madame. Qui êtes-vous? Puis-je vous aider? C'était le phare. Ça ne peut être. Seul moi pourrais. Oh non, Alex! Ok, donc si Alex, c'est que ça pue. Donc on va y aller. Donc oui, une fois que qu'on aura réussi à éviter que le phare s'allume, enfin essayer, est-ce qu'on réussira? Tout est surprise. Il faut savoir que on aura atteint la moitié du jeu, pratiquement. Quelqu'un est ici. Quelqu'un est ici. Vous l'entendez, vous aussi? Non. Vous ne l'entendez pas? Moi, si. Alex est la seule autre personne à pouvoir entrer dans le phare de Mercure. Mais cette statue bloque ma route. Et bah... Boum! Tu vois? Ah, tu fais ça? Bah oui. Je le savais. J'ai vu une force éthérée la pousser. Tu peux voir notre synergie? Bah, elle en a fait tout à l'heure. Synergie, c'est comme ça que vous l'appelez? Nous pensions que tu avais utilisé de la synergie lorsque tu as soigné ce vieil homme, Sophia. C'est un pouvoir transmis de génération en génération par les membres du clan Mercure, de Mercure. Ce pouvoir est généré par la méditation et se nomme prière mineure. Autrefois, il était bien plus puissant. Ce clan de Mercure me rappelle les habitants de Val, pas vous? Ah si. C'est clair, ce sont les gardiens de pouvoirs spéciaux, exactement comme nous. J'ai y aller, je dois trouver quiconque est entré dans le phare. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. C'est pas grave. Oh, un monstre. Oh, elle passera pas. Salut. À l'attaque. Ok, un saut, rien. Oh, de toute façon, c'est ça ou rien. Rigolez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, riez. J'ai honte là, alors s'il vous plaît, riez. Mais, t'es pas possible, cocotte. Alors, je crois qu'il faut d'abord rush ici. Je me souviens plus. Vous m'avez encore sauvé. Bah ouais. Vous avez affaire dans le phare, vous aussi? Bah oui. C'est ce que je pensais. Je suis certaine qu'il y aura d'autres endroits que je ne pourrais pas passer seul. Seuls les membres du clan peuvent entrer ici. Cependant, je sens que vous êtes spéciaux. Je crois que je peux vous faire confiance. Et boum! On a notre troisième personnage. Alors, est-ce qu'il a des jeans? Oui, il a un jean qui s'appelle Peps. Alors, c'est un aquasage de niveau 10 qui a beaucoup de MP, qui soigne du poison, et c'est un type de glace. Donc on a Mercure, l'eau et la glace, Jupiter, le vent, tout ce qui est orage et tout, le feu avec Gareth, et la terre avec Vlad, donc Mars et Vénus, voilà. Donc on a notre
petit groupe au complet. Nous avons enfin tous les persos. Celui-là. Non ? Celui-là ? Ah bah non. C'est peut-être pas ici que ça s'ouvre alors. Ah oui, ici. Hop. Ouh. Alors. Non. C'est où que... Très bien, merci. Hop. Bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé récupérer le petit coffre, mais bon, c'est pas important. Ah bon, en fait, si, on va pouvoir aller le récupérer. Du coup, en faisant ça. S'il faut savoir souvent que les coffres, ils sont utiles. Voilà, un cristal psy. Cristal psy, si je me trompe pas... ouais, c'est ça, rend tous les PP. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, même si on n'en a pas vraiment besoin là tout de suite, puisqu'on va tout récupérer d'ici sous peu. Mais ça peut être utile. Surtout en combat. Ok. Alors. Hop. Ah ok, elle a l'attaque électrocution avec son arme. Très bien. Bon. Je pense qu'on va le tuer comme ça, donc... ouais, voilà. Ok. Là, on va pas pouvoir passer. Donc, on va passer par ici. D'accord. Alors, avant, on a un truc à faire ici, hein, parce que on voit bien, il va falloir... Ah oui, Ivan prend cher dans ce donjon. Hein. Hop. Alors du coup, vu que c'est elle qui a plein de PV, on va pouvoir, enfin plein de MP même, on va pouvoir masse soigner, hein, parce que... Ah oui, ok. Je pensais qu'il y avait une truc à faire avant, mais non en fait. Hop. Alors, il faut savoir que ce donjon se déroule en deux parties. Une partie pour obtenir un pouvoir spécial et la seconde partie qui se déroule avec un pouvoir spécial, tout simplement. Hop, hop. Voilà. Et couvreur pâle qui va l'éliminer. Voilà, très bien. Très bien. Je dois quand même avouer que je suis pas très rassuré parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de niveaux. On est que niveau 10, hein. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de niveaux. Bon, après quand on regarde, Sophia était aussi niveau 10, donc enfin, on est même pas niveau 10, on est niveau 9 je crois. Ouais, c'est ça, on est niveau 9. Donc bon. Bon, ça doit être normal. Hop. Et de toute façon, au pire, si on meurt, je crois qu'on respawn à la dernière auberge ou je ne sais plus quoi qu'on a fait. Donc ça va aller. Ok. Alors, celui qui honore le cœur de la déesse doit se tenir au centre de tout comme un signe au centre du mar. Alors, est-ce qu'on peut sauter? Oui, on peut sauter. Et... Voilà. Et donc voilà, nous avons obtenu le petit pouvoir spécial dont je parlais, qui est un pouvoir qui nous permet de sauter sur l'eau. C'est-à-dire que là, vous voyez, on peut faire tac, donc on en a un, deux, trois, et ensuite si on saute, ben, on tombe dans l'eau. Mais voilà, donc oh, il y avait un passage là. Attendez, il y a un coffre ici. D'abord, je veux le coffre. Ah, il faut savoir que des fois, il y a des coffres piégés, pardon, qui sont des monstres. Hein. Bon,
ça arrive, hein. Y a pas à se faire de soucis. Faut juste les tuer, les monstres, quoi. Normal. Oh. Ah, attendez, parce que... Son arme est elle m'intrigue. Pourquoi elle récupère CMP? J'en ai aucune idée. Une chose est sûre, c'est une très bonne chose qu'elle récupère CMP. Parce qu'au moins comme ça... voilà. Donc je savais que celui-là était... Enfin je savais. Oui et non. Je me doutais que celui-là était un monstre. Parce que quand on a vu l'autre d'après, je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est un monstre. Voilà. C'était soit celui-là, soit l'autre. Donc, très bien. Donc le vent, c'est pas efficace. La terre, ça l'est pas énormément. Le volcan, c'est très très efficace. Et la glace, ouais, c'est pas énorme. Très bien. Tu vas rattaquer avec stalactite. Toi, tu vas faire mur de feu. Toi, tu vas faire impact. Et toi, tu vas soigner. Tu vas soigner. Alors, 38. Allez, hop. Voilà. Parce qu'en augmentant nos attaques, bien sûr, on va faire plus mal. Hein. Enfin, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Ah, ok. Ah non, c'est les attaques physiques qui augmentent, peut-être. On va voir. Hop. Et... Hop. Alors, je crois qu'il y a moyen de... Oh ! Ah non, il nous a pris nos MP. Oh, le bâtard. Ok, Ivan se réveille. On va utiliser... Donc, impact sur lui. Et on va voir si ça augmente. Ah oui, complètement, oui. Je dis oui, là, hein, complètement. Ok. Augmente... Vas-y, remonte un coup. Et toi, tu te soignes. Oh, il a esquivé l'attaque. Voilà. Eh ben... Ok, on a obtenu soin. Et on a obtenu une eau de jouvence, ce qui est une très bonne chose. Puisque l'eau de jouvence... Je crois que c'est l'eau de jouvence, hein, qui va nous permettre de... Attendez, j'ai un trou. Oui, c'est ça. L'eau de jouvence va nous permettre de ressusciter Trent. Voilà. Donc c'est une très bonne chose. Ok. Hop. 1, 2. Masse. Voilà. Voilà ce qui se passe quand vous faites pas attention. Et... Une armure psy... Alors, avant de la donner. Alors, 61, 60. Ok, 11. Ok, bon, on va l'équiper à toi. Booste les PP. Très bien. Bon, ça booste qu'un petit peu, mais c'est déjà mieux que rien. Hop. On s'en sort bien, on a déjà fait à moitié du premier sol, si on peut dire. La première partie. On a déjà fait la première partie, donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal du tout, ok. Ici on peut rien faire. Voilà, maintenant on va pouvoir bouger ici. Hop, hop, hop. 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 Ouais non, ça marche pas, c'est pas par là. Très bien. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ok. 1, 2, 3. Hop.
Alors, ici. Ah bah génial, on a réussi à trouver direct. Ah, il y a un coffre ici, par contre. Ah, on va aller le chercher. Ouais, je voudrais trouver tous les coffres, quoi. Je sais que le donjon va du coup paraître un peu plus long, mais je pense que, voilà, c'est important qu'on récupère tous les coffres. Dites-moi si vous, ça vous embête qu'on récupère tous les coffres ou pas. Moi, je suis... Voilà, je pense que, vu que ça fait partie du jeu, puis que le jeu est vraiment très court, hein... Je vous dis, hein, on est au moins à la moitié, hein, si ce n'est... Ouais, c'est pratiquement la moitié, hein. On n'est pas proche de la fin, mais... Mais voilà, quoi. Je pense que... C'est important de prendre tout ce qu'on voit. Alors, bien sûr, si on voit pas, on prend pas, hein, mais... Ok, bon, maintenant, on est obligé de tout refaire, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, tac. Hop. Ok. Alors là, c'est pour si on veut revenir, mais vu que nous, on veut pas revenir. Ici, il n'y a rien. Ici, on peut passer. Ok. Mais avant, je veux voir. Ici, il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Ok. Oh là, on est déjà à 26 minutes, j'avais pas vu le temps. Le mec, il s'amuse tellement qu'il voit pas le temps passer, quoi. Du coup, je sais pas si je m'entraîne ou pas... Ouais, je pense que ça sert pas à grand chose de s'entraîner. Quoique. On va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers, un petit commentaire et à vous abonner. On se dit à la prochaine. Et je pense pas que j'entraînerai les persos. Peut-être. Peut-être, je sais pas. Allez, on se dit à la prochaine. Et bye bye tout le monde. Allez, bye bye.